Bah, il faut la demander. C'est pas vrai. Mais tant que tu viens pas où. C'est le X4 alors. Bon, il a l'air. Prends ma veste, Fabrice, s'il te plaît. Bon, change encore. Y'a plus de sens. Tu vois ? Non. Eh oui. Tu vas pouvoir m'expliquer ce que c'est. Une lettre de l'école. Ils disent que tu y vas pas depuis des mois. Rappelle-toi, on était jeunes, on n'avait pas la haine, on n'avait pas de label. 10 ans plus tard, certains manquent à l'appel. Un peu plus tard, j'aurai ma ville comme soutien. Soudain, j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens. Pour que tu saches que toute ma life un goût de flingue. Pour pas que t'oublies après Berger, rajoute jeune. Pour que tu saches à quel point tout ça me manque. Que tu comprennes mon histoire tout simplement. L'histoire reprend violemment. Année 1994, à une époque mon pote, où les carreaux éclatent et les keufs claquent. Mauvaise fréquentation entraîne les tentations, désordonnées selon la conseillère de désorientation. L'école c'est mort, je redoute que ma redoute. Dans le fond c'est rien à foutre, parce que plus tard je serai une star du foot. Mes premiers vols, mes premières tapes, mes premiers alias. Mon premier pote qui meurt, mon premier flingue devant ma première tasse. Du haut de ma tour, je viens hauteur avec ma peine autour. Ce putain de monde est sourd, personne m'entend, ouais. J'appelle au secours. 95 avec ouais. Mes potes, ça va plus. Oh sort, tu viens à l'entraînement? Il y a un spécifique attaquant là. Mais ce soir, je prends les attaquants là, de Dijon pendant une heure. Tu t'es regardé, t'es où là? Je suis à Montpellier là, j'arrive. Tu prends l'entraînement? Ouais. Bon, ouais, c'est bon, je vais y récupérer là. Il m'a dit ouais l'autre fois. Je vais récupérer là. Demande à Souf pour ce soir. Ouais, ouais, peut-être 17 ou 8 attaquants. Ah, c'est ça, c'est ça. Bah, vas-y, allez, tout à l'heure. Trois ans plus tard, je suis dans le temps. Maman veille tôt, donc je baisse le son. On fait les choses bien, donc je prends mon temps. C'est pas un sprint, c'est une course de fond. Faut péter les scores, péter les caisses. Passe-moi au moins, mon bébé. Ah, Marina, donne-moi. Je vais récupérer l'Audi. Mets-moi la play dedans, je la passe à toi. Il me fasse la mise à jour. D'accord. Et je pars de suite. Ça, et prends-moi les habits, après je vais à la muscu là. Je vais manger au BBQ, après 2 heures, je vais quoi faire. Et j'enchaîne à la muscu. La poule. Quoi? J'arrive à la maison, je vais chercher la voiture. Et après, je vais faire mes liens. J'arrive. Je veux mes vitesses au taquet toutes les heures. Et je bosse toute la nuit. Après, je sors la voiture, tu la vends, ça a été. La poule! Mets la robe! Oui! La poule, tu fais un câlin? Tu fais un bisou? Si tu veux un mort, hein? Je t'habille après. Je suis dur à voir comme Qatari, près du ferry. 3 ans plus tard, je suis dans les temps. Maman veille tôt, donc je baisse le son. On fait des choses bien, donc je prends mon temps. C'est pas un sprint, c'est une course de fond. Salut ma poule. Ça va? Ça va? Ça va? Vous voyez pas qui c'est avec moi. C'est Julien Tati, les Marseillais. Messieurs, bonjour. Comment ça va? Andy, ça va? Ça va, bonjour. Façon boucher. Bleu. Dis-lui que je le rappelle dans 5 minutes. Est-ce que ça va? Ketchup. Ketchup. Obligé, quoi. Ouais, laisse tomber, mon frère, il va encore faire. C'est ça. Bisous. Et au plat et au. Les deux, au plat et au gazeau. J'ai que 1 litre, par contre, monsieur. Allez, en avant. Merci beaucoup. 2 ans? Ah ouais. Bien, on attaque. Ah oui. Ouais, je vais voler. Non, mais tu vas craquer, toi. Ouais.
Une petite comme ça. Ah, moi j'adore. Elle est magnifique. Mais on va tous les embanguerus, je mettrai un Y dedans. Tu en veux d'autres? Hein? Tu en veux d'autres? Ouais. Pourquoi? De quoi, pourquoi? Pourquoi un Y? Moi j'en ai un, tout le monde là. Ah, il est chaud celui-là. J'ai vu un reportage sur celui-là. Mais laisse tomber, je te dis. Regarde, lui il était persuadé qu'il allait arriver, jeune, quand il galère au début. Quand il galère au début. Il lâche rien le mec, et il sait derrière le moment, il y a son manager là. T'as pas vu d'entrée, il fait le short à fleurs. Ouais. Le mec il lui dit ouais, si tu recommences à faire ça parce qu'il charrie à la fin du truc, je te prends plus. Ouais, quand tu il a dit me prends plus. Ouais, moi je continue à le faire. C'est comme ça. Et au final il est connu le mec pour ça. Ouais, exactement. Ah, c'est ça qui a fait sa force. T'as vu que la folie comme elle grandit? Bah bien sûr. T'as vu comment elle grandit, c'est dingue. Il continue à exagérer. Et au fur et à mesure, il gagne en confiance et regarde. Ouais. Quand l'autre il lui prend pour un fou, Danny White, là, quand il lui dit l'autre ça fait 10 ans Aldo qui est champion du monde. Ouais. Il lui dit ouais mais tu vois que ça va se passer comme ça, il va me mettre un crochet, je vais reculer, je vais mettre une pêche, KO. L'autre il rigole. Et ça s'est exactement passé comme ça. Et parce que tellement il y croit, il a déjà le truc en tête. Quand tu l'écoutes parler, ça va, lui. Ouais. Ça revient à ce que je viens de te dire, si tu es persuadé des choses, tu le feras. Voilà, lui était persuadé. Puis il y en a combien qui étaient peut-être quand il prenait Aldo, où il se disait putain, le mec ça fait 8, 9 ans, 10 ans qu'il est au-dessus de tout le monde. Et il perd de confiance. Et c'est l'autre qui prend. Et l'autre il est arrivé, il savait qu'il allait devenir numéro 1. Il voit son visage. Alors là, comme ça. Quand le combat est commun, tu le vois sur ta guise. Conditionné. Voilà. Bien sûr, conditionné. Mec, il savait que il voit pas autre chose que la victoire. C'est ça. Après, Khabib, c'est autre chose. C'est un combattant. Non, mais c'est plus de tempérament différent. Il faut dire que McGregor, il va être excentrique. Genre, il va aimer. Moi, je pense qu'il est excentrique. Parce que je pense, et tu le vois dans le reportage, quand tu le vois dans l'intimité, tu vois qu'il est différent. Oui. Donc, je pense son côté botch, tu vois, son côté fou sur scène, vraiment de faire le show. C'est que ça cache quelque chose en fait en lui, ou le fait de tellement se persuader que, mais peut-être au fond de lui il y a du doute, tu vois. Et à mon avis, le mec il sait que s'il montre ce doute, c'est pas bon pour son esprit, tu vois. C'est ça qu'il en fait. Le truc c'est que quand t'es sportif de haut niveau, tu vas avoir deux modes, être en mode, avoir deux personnalités différentes, d'être quelqu'un en dehors. Totalement différent que sur le terrain. Il y a des millions, il y en a des millions comme ça. TJ, Cahuzac, il y en a des millions. Les mecs sur le terrain, en dehors, c'est des amours, et sur le terrain, ils se transcendent. Et les mecs, tu peux pas lui parler. Ah ouais. Il y en a beaucoup, des comme ça. TJ, il est comme ça. TJ, il est comme ça, il y a Cahuzac qui est comme ça, il y en a à bloc. Il y en a d'autres que c'est l'inverse. Sur le terrain, ils préfèrent agir autrement. C'est un peu comme le comédien qui m'a pris. Exactement. 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 Des personnalités, tu regardes un comédien, je te dis putain, tellement qu'il joue bien, je te dis ce mec il est comme ça dans la vie. On prend le Joker, le Joker, tu as l'impression, tu vois ce film, tu as l'impression qu'il est comme ça tout le temps. Mais en fait au final ça doit être... Ça peut faire en fait folie ça. Hein. Bien sûr c'est de la folie. Ouais. Il faut pas se prendre que ça. Je te parle de mon nez couillasse. Cuando te hago a ti llorar, el corazón a mí me duele y necesito que me abraces, que me beses. Escuchar de tu boca santa que me diga que aún tú me quieres. Quiero vivir para Hey, derrière Jazeera, gros plus rien nous arrête. On frappe l'équipe adversion comme Riyad Mahrez. Dans la Célé Sao, y'a que des houlets de Nes. Mention spéciale pour le frère Adam Ounes. 1, 2, 3, tu connais la suite. Là, on gagne un match. Contre qui vous jouez là? On joue chez nous. Algérie? Ouais, on joue à Algérie. Après, on a pris qui le match 5-0 là qui est venu? Zambie ou Tanzanie? Zambie, non? Et après, on est parti au Botswana. Il manque une équipe. Il y a plein, hein. 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 Il y a plein, hein.
Fennec, décime troupeau de zèbres. Alger, tout part de là. Fusion, boum, Edien, Ben Bella. Ils veulent nous salir dans les médias, mais on reste fort comme Nelson Mandela. L'équipe des verts, plus rien ne l'arrête. Toutes vos défenses, on les canne. 2019, la Coupe d'Afrique, faut qu'on la pète, faut qu'on la canne. Trop fier, bah oui, Kabil Chaoui. Stop tes balles comme Rice and Boli. Cortège drapeau dans un bolide. Blair, faut mon petit impoli. Tous ensemble, entassés dans des grands ensembles. Tous ensemble, on est tous ensemble. Les petits fachos, faut les réduire ensemble. Hein? La puissance des ailes, gros c'est la puissance des ailes power. La puissance des ailes, gros c'est la puissance des ailes. Quoi qu'on fait, mais c'est pas grave. Ouais, ça a pris. On fait merci. Allez, bonne journée. Viens, moi j'ai vu ça. Et on met une photo devant mon camion, ça sera encore mieux. Ça va être depuis le premier. Pas de soucis. Je crois qu'ils ont pas compris qu'on était numéro 1. Constantine, Annaba, Moustaka, Neme, Blita, Alger, Waran, Béjaïa, Sidi Bel Abbès, Steve Piskra, Constantine, Annaba, Moustaka, Neme, Blita, Alger, Waran, Béjaïa, Sidi Bel Abbès, Steve Piskra. La puissance des aides, gros c'est la puissance des aides, power. La puissance des aides, gros c'est la puissance. Ouais, ouais. Allez, vous voyez, prenez les... Non. Ils sont sur les boucles. Les rouges, les rouges. On va vous foutre la poule, Santi? Hein? Je vais vous foutre? Vas-y. Oui. Tu me fais une bisou? À tout à l'heure. Allez, mec. Allez, bon. Non, fais-moi. Tu vas pas foutre, toi, la poule? Eh oui, mon frère, garçon, c'est bon? Hein? J'ai amené un paix à Thomas, Titi. J'ai amené un paix à Thomas. Comme ça, après, on pourra jouer ça. On jouera aux zombies là, tu sais comment on a joué autrement? Ah ouais, quand tu perds, tu deviens zombie. Ouais. Tu vas faire la muscu, Titi? Hein? Tu vas faire la muscu? Non. Et le foot, Titi, tu t'arrêtes le foot. Pour l'instant, t'as pas de match pendant 4-5 mois. 4 semaines. La Sadji? Ouais. Pourquoi? Je suis pas. Parce qu'il y a quoi? Il y a quoi? Je suis pas. Il y a le Covid. Ouais, je sais. Tu joues à quoi? Comment faire? Tu voles des villages. En fait, tu dois gagner des villages. Mais t'as pas internet là, non? Ouais, j'ai connexion, je peux pas aller. Bah oui. Tu peux pas jouer ça, internet. Ouais, mais je sais, il y a un autre jeu sur internet. Ça n'est jamais de quêter le cœur qu'il nous faut analyser une défaite, qui plus est un derby sur sa propre pelouse de surcroît face à une équipe nîmoise. Ce terrible but comme une sanction marqué par Renaud Ripard. Il a eu la vista, il a eu l'adresse qui a tourné le dos toute l'après-midi à Gaëtan Laborde, à Andy Delors et tous leurs camarades. On perd chez nous contre Nîmes. Et la vraie question maintenant est combien de temps faudra-t-il pour s'en remettre? Débâcle, débandade, tsunami. Face à une équipe qui se présentait avant-dernière de la Ligue 1, marquée 3 buts en première période, d'un quatrième en seconde, nous laisser à 9. Les Montpellierens sont passés complètement à côté. Un carton rouge pour Vitorino Hitton à la 8e minute. Un geste déplacé et logiquement sanctionné de Damien Letalec, 4-0 à domicile face au stade de Reims. On n'est pas prêt de s'en remettre de sitôt. Mais
qu'ils attendent que t'aies une voix qui se lève et qui les porte. Ouais, ouais, bah après c'est... Ouais, bah c'est le rôle aussi du capitaine, mais après c'est sûr que... C'est sûr qu'en ce moment, voilà, il n'y a rien qui joue en notre faveur et c'est sûr que ça c'est compliqué quoi. Donc écoute, voilà, ce matin il y a eu encore des choses qui sont dites. Maintenant on va essayer de les appliquer sur le terrain. Parce que c'est bien de parler, mais il faut agir quoi. Et ça agir, c'est qu'il n'y a que les hommes qui le font sur le terrain. Tout le monde peut parler, mais agir c'est pas pareil. Ouais, non, mais après il y a le fait aussi, comme je te dis, il y a les derniers matchs, il n'y a rien qui tourne en notre faveur aussi, tu vois. Donc certains, on va dire, personnes ou joueurs vont vite baisser la tête. Après, tu te retrouves dans des situations où même tu as l'impression que tu peux rien changer, quoi. Et c'est réel, hein, parce que contre Reims, voilà, Reims, tu prends un rouge d'entrée, penalty but, ou 35e, tu prends un deuxième rouge, je vois pas qu'est-ce que tu peux faire, quoi. Même, que ce soit Paris ou le Real de Madrid, je te parle des joueurs, ils vont rien changer. Hein. Individuellement, tu peux pas. Donc voilà, après c'est. Tu vois, des fois c'est juste des périodes qui font que tu es dans le dur, c'est tout. Après voilà, essayer de changer mentalement les choses, c'est toujours faisable. Donc voilà, ce matin j'ai parlé dans le vestiaire, j'espère qu'on m'a écouté et que ça va. Qu'on va peut-être changer les choses. Après, des fois ça se joue à des petits détails, tu vois, soit des mètres, soit des centimètres qui font que si tout le monde le fait, ben, ça fait des mètres et après tu gagnes les ballons. Apparemment, du coup, je disais que les mecs ils avaient les crocs. Des fois, voilà, il faut savoir le faire au bon moment, tu vois, c'est ça aussi. Il faut avoir le ressenti de le faire au bon moment où les gens ils sont ouverts, où ils vont t'écouter, tu vois. Mais il faut avoir ces ressentis là pour que les gens ils écoutent et que, tu vois. Bien sûr. Mais si tu le dis au mauvais moment, une parole au mauvais moment ou je te dis un moment qui sert à rien, ben ça sert strictement à rien, tu vois ce que je veux te dire. Donc là le coach avait bien pris la parole, il a bien dit les choses, il a dit la vérité. Et derrière, ça me semblait être le parfait moment pour placer ce que j'avais à dire. Et je pense que ça a été bien perçu. Et voilà, derrière, on a fait une bonne peau. Et j'espère que ce week-end, on fera un bon match. Et ça va relancer notre saison. Quoi. Peut-être je le dirai demain en conf. Mais il y a avant le match de Nîmes, Gaëtan, TJ et moi, on était les plus forts. Vito, même s'il avait 43 ans, c'était un monstre. Aujourd'hui, les trois devant ne vaut pas une merde. Vito, il est trop vieux pour jouer en Ligue 1. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, c'est ouf. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était quoi? Ça me fait du bien que les gens ils me mettent un peu dessus. Comme ça, au moins, ça veut dire que, mine de rien, je suis important pour les gens. Tu vois, ils attendent encore plus. Bon, donc, moi, ça ne me gêne pas. Mais en tout cas, je sais me remettre en question. Et aujourd'hui, je ne pense pas que c'est pas ma faute. Mais moi, ce que je peux faire, je le fais, quoi. Que ce soit sur le terrain ou même pour mes coéquipiers. Donc écoute, on verra, écoute. Là je vais m'entraîner et... C'est les supporters qui sont comme ça. En fait c'est de l'amour, mais t'es qui? Ouais, c'est tellement fort qu'ils peuvent vite mal parler, ils peuvent vite... Ouais. C'est comme un couple, frère. Ouais, c'est comme un couple. Ouais, dès que tu as la sensation d'être trahi, ouais. Ou par exemple contre Nîmes, pour moi aussi c'est important, mais pour eux c'est une trahison. Et derrière, pour te racheter, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être méchant en direct. C'est ça qui est un peu dommage. Bon après voilà, après, ça tourne vite quoi. Tu mets un match. Tu fais un match, un bon match, ça tourne vite. Et, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Non, tu ne t'en pas senti. Ouais. Ouais. L'abord de le centre de Junior Sambia, la tête plongeante, et le but! Oh, tu dévoiles le but, Nandine, alors incroyable! Un magnifique but de la tête! Ah, lui aussi, il est allé la chercher très très loin! Cette tête en 10 de l'or! Stitch peut-être aller à l'extérieur du pied, c'est bien joué! La tête plongeante, le but d'Andy! Andy de l'or sur l'extérieur du pied droit de Stitch, magnifique centre! Donc je m'appelle Aurélien Simon, je suis préparateur physique dans le sport de haut niveau depuis plusieurs années. Je suis un technicien de la performance, je suis analyste du mouvement et j'attache une importance
une très grande importance au travail de prévention. Donc Angie, il a pris contact avec moi le 5 mai 2018 pour faire un essai. On s'est rencontrés le lendemain. J'ai fait une analyse mécanique par vidéo avant de le rencontrer pour essayer de trouver 2-3 axes de travail et construire ma première séance comme je fais avec tous les athlètes. Donc j'ai poussé l'analyse mécanique un peu plus loin pendant la séance sans lui dire. Et petit à petit, j'ai décelé certains axes de travail. Et je pense que j'ai réussi à séduire grâce à ça. De mon côté à moi, ça a été un coup de foudre sportif. C'est-à-dire qu'il correspond exactement à ce que moi je recherche au niveau professionnel. Et ses demandes et ce que lui souhaite faire en préparation physique, ça correspond exactement avec ce que moi je propose. Angie, c'est un sportif hors norme, avec un physique hors norme, une mentalité hors norme et une volonté hors norme. Même sa personnalité, elle est hors norme. Angie Delors, c'est un bourreau de travail. C'est un garçon qui a une volonté exceptionnelle, qui a un projet sportif qui est clairement défini, qu'on peut dérouler sur une saison, voire plusieurs saisons. C'est quelqu'un qui est totalement capable de, à la fois de se projeter et à la fois de se remettre en question. C'est quelqu'un qui est très présent dans la communication professionnelle et sportive. Parce que, il est évident, quand on est préparateur physique, ce qui compte en premier lieu, c'est les ressentis de l'athlète. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui prépare Andy. Par contre, je peux dire de façon certaine que j'amène un plus qui va venir sublimer l'expression de sa performance. Il bénéficie d'un staff technique auprès de Montpellier Hérault qui a la pointe et qui sait exactement ce qu'ils font. Ce qu'il vient chercher chez moi, c'est quelque chose de plus. Parce qu'il veut travailler plus. Et c'est pour ça qu'il a aujourd'hui acquéri ce titre de leadership du club de Montpellier. On a à la base commencé à travailler ensemble dans l'espoir hypothétique qu'il puisse intégrer la sélection algérienne. Le conte de fées a voulu qu'il puisse l'intégrer tout de suite après notre première préparation. On s'est préparé très très durement, on a fait une préparation hors norme, à son image. On a fait exprès de s'entraîner à des moments qui sont à la limite du supportable, voire insupportable. Tous les jours sous une chaleur ardente, dans des endroits improbables. Le but du jeu, c'était de faire une cassure totale avec son environnement, de voir ce qu'il était capable de donner avec un environnement hostile. J'ai été très très dur avec lui sur la première préparation, parce que j'ai pris tout de suite la mesure de son projet en fait. Quand on veut intégrer une sélection internationale, on veut passer un cap, c'est pas quelque chose qui se prend à la légère. Et tous les gens qui parlent des équipes africaines avec un niveau inférieur, tout ça, moi je les rejoins pas du tout, au contraire. Dans des pays comme ça, le ballon, le sport, c'est beaucoup plus que du ballon. Et surtout en Algérie. Je trouve que c'est un combat qui est difficile. Évidemment qu'il s'est fait accepter à bras ouverts puisqu'il a un capital sympathie à la base qui est toujours là. Et évidemment, ce qui a plu au peuple algérien, c'est sa capacité à travailler plus que les autres. Quand on a sorti notre première vidéo sur le continent africain, donc à l'époque, on ne savait même pas qu'il allait être sélectionné. On a voulu publier une vidéo pour montrer au monde et surtout au peuple algérien, on ne va pas se mentir, de quoi Andy Delors était capable. On a reçu un accueil qui nous a plus qu'encouragés. En l'espace de quelques jours, on a fait des millions et des millions de vues. Et je pense qu'il a gagné le cœur de l'Algérie en montrant de quel métal il était fait. Alors je sais qu'il n'aime pas que je parle comme ça. Il n'aime pas quand je parle dans mes délires, les cris, le métal, la sueur et le sang. Tout ça, mais c'est exactement ce qu'il est pour moi. Il est un gladiateur moderne. On n'a plus les arènes de Rome, mais on a les arènes de Ligue 1. Et lui, c'est un vrai gladiateur, un vrai de vrai. Tu rentres sur le terrain, de se battre jusqu'au sang, dans les respects du jeu, dans les respects de l'adversaire. Il manque jamais de respect à personne sur un terrain. C'est quelqu'un qui a des valeurs sportives. Si j'avais quelque chose à lui dire ou à lui souhaiter, d'un point de vue purement professionnel, ce serait qu'on arrive jusqu'à la Coupe du Monde ensemble. Je pense qu'on a besoin encore de 2 saisons et je pense qu'on aura affaire à un crack international. Et d'un point de vue personnel, qui continue à s'épanouir comme il s'épanouit ici, il m'a l'air heureux. Et je ferai juste une dernière parenthèse en disant que pour un joueur professionnel, c'est extrêmement difficile et casse-gueule de revenir dans sa ville natale. Et vous pouvez chercher, on peut chercher longtemps. Ils doivent même pas tenir dans une main les joueurs qui ont fait ça dans leur carrière et ceux qui ont réussi. Donc chapeau à lui pour ça. Qui continue à faire vibrer le club de Montpellier, qui continue à faire vibrer notre ville. Oh, j'ai vu. Oui, qui était belle. Tu vois, je suis là, je frappe, frappe-le. Vous êtes chiant. D'accord, t'as un cheat, bientôt à toi. Vas-y, grand. Approche-toi encore. Un dernier tour, tu donnes ? Ouais. Allez, dernier tour. Attends, si je tape la traversante. Attention, Nuno. Si quoi ? Si je tape la traversante, c'est le dernier tour. On n'a pas besoin de vous. Oh ! Ah, non, allez. Viens. Bien, enchaîne. Encore 4. Enchaîne. Encore 3.
Tu me voyais encore quand je sautais ou ouais. Tu voyais que mes pieds ouais, non, non. Ah, tu voyais que mes pieds comme je suis monté à 8 mètres. Ouais, je vais lui dire non. Un petit peu plus. Ça va ou quoi? Ça va? On va enchaîner, on s'arrête pas. Montrez un peu la qualité. Don't rush, slow touch, brown and white. I can go crunch, grab and bite. We can go bust, eye for eye. We can lose trust, white run, fizzy pop. Where you they go, go, we they go up. Catch my vibe, let me go off. Blame the track. Don't rush, take your time with it. Pull up Lamborghini with a diamond. She say I'm a super pretty extra chocolate fine nigga. And I ain't running from them niggas if it's nine niggas. You gotta show me something. Yeah, I made her bring that pussy back. It's like she owe me something. Back. I met her, she was 24. I'm talking Kobe numbers. Switch. Butter rim, I'm in that pussy trying to score me something. She put my dick up down her throat. She trying to choke us on. Nasty. She full of titties out and flash me. They like the way I smell. These bitches sniff when they walk past me. Bling, bling, bling. You know my jewelry look like Alaska. Ring, ring, ring. She keep on calling, but I ain't answer. The red, I've been declining on her. Yeah, took me down a tall bitch. Yeah, I've been climbing on her. Don't rush, slow touch, brown and white. I can go cunt, grab and buy. We can go bust, eye for eye. We can lose trust, white rum, fizzy pop. Where you they go, go, we they go up. Catch my vibe. Le contrôle, bah, c'est dur, mais juste essaye de te la mettre devant. T'as vu, si tu attrapes, c'est compliqué. Bravo, le contrôle. I got peas, now she hopping in the pod, man, a real life sugar gal, I might forget what. When she want dog. Bravo, frérot, tu restes là-bas, toi, tu fais l'alarme, tu centres. Tu fais l'alarme, tu centres, toi, avec Angie. C'est trop fort, frère. C'est trop fort. Thierry, il a dit à Austin, il va centrer avec moi. Mais c'est que des centres, du coup. Que des centres. On en fait deux. Ouais, non, on en fait un. D'accord. On essaye de finir. Non, on n'a pas dormi. Soit de finir à une touche de la tête, soit en deux reprises de roulette. Twice a night before my bling. Big Benz, I drive, I brought that thing. Any girl you want, they want my thing. Don't rush. You wait a gun. I know why. Like I go gun. Grab and buy. We can go bust. Eye for eye. En hauteur un peu, tu te dis, regarde. Tu te dis au milieu du gardien, doit être en train. Bon, moi, je vais.
On fait quoi après, tu as dit? Après, on va faire les... Bon, regarde, on va faire comme il a dit, le coach. On met deux derrière le poteau, on fait transversal, duel, face à face. D'accord, et on finit. Tu mets. Bon moment. Allez, fini. C'est ouvert. Et jouer. On s'applique. Pour les attaquants, je parle. Avance. Regarde, vas-y, Vic. Viens défendre sur moi. Les gars, faites le crochet là. Faites le crochet un peu avant, les gars. Tu veux le faire trop frais, les mecs, ils vont vous le prendre à chaque fois. Tu arrives là, tu fais le crochet là. Et après, tu finis. Mais il faut le faire avant, le crochet, les gars. Et même. Accélé. Ouais, dommage, je vais jouer. Voilà. Tu veux vite qu'il s'arrête pas. Il le prend pas. Tu t'arrêtes pas. Et derrière, si tu dis, c'est pas tout le monde. Si t'as un petit coup de rien encore à rajouter. Il est joué. Fini, voilà. Bravo, Mehdi. Fini. Regarde le gardien. Tu lèves la tête. Mehdi, lève la tête. Pensez dès que vous sortez du slip, quand vous avez de la base, levez les yeux, regardez. Voilà, mets-le sur un côté, sans le bravo, aussi. Bien joué, bravo. Regarde, prenez chacun un ballon. Prenez chacun un ballon, on va finir par un petit jeu, les gars. Arrête. C'est le keeper, il sort. Ouais. Les gars, on fait une frappe, regardez. On fait chacun une frappe, soit qui marque, il est qualifié. Soit qui la manque, il est éliminé. Par contre, si on fait un tour et qu'il n'y a personne qui a marqué, tout le monde recommence. S'il y en a un qui a marqué, Mais en gros, il a gagné. Mais après, si c'est... Il en refait une deuxième après. Ouais, après, s'il y en a trois qui ont marqué, les trois, ils continuent. Et quand tout est fini, c'est le qui a gagné le seul. C'est fini, après. Non, mais après, on le fait deux fois. On le fait deux fois, mais tu t'as perdu. Les gars, on le fait deux fois comme ça, normal. Et la dernière, en l'air. Elle est maintenant un peu plus compliquée. Vas-y, allez-y. J'ai vu, we can go bust, eye for eye, we can lose trust. Quiet run, fizzy pop, where you they go, we they go up. Catch my vibe, let me go up. Why is it so tough? Flood my eyes, make a whole blush. Back at the tour bus, getting cool up. D square, got them de-stressed. Got a hand wash, new racks with the old Nikes in the shoebox. Keep my stripes. Off my whites, right my wrongs. Gucci my mum, I used to do your thumbs. Count my sums, this is gonna get long. Love my green, I'm tryna get strong. Tryna get on, where I'm from, it's on. Yes, man don't take no dumb threats. They see funds, they hop fence. We been up, not up, next. Don't rush, slow touch, brown and white. I can go country, grab and buy. We can go bust, eye for eye. We can lose trust, quite wrong. Fizzy pop, where you they go, we they go up. Catch my vibe, let me go off. Blam the drive, when it's so tough.